Vous êtes des super poneys, je vous ai attendu, vous avez vu. Vous êtes des super poneys. Parce que Tia, elle a travaillé en off. Et donc, elle m'a dit, t'iras voir les poneys. Et maintenant, ça y est, regardez, poney, c'est écrit en gros. La poney, il va être entraîné. On va pouvoir entraîner poney. Par contre, ce qui est ballot, c'est que c'est deux juments. Ah! Ah, Tornado est une fille. C'est... C'est pas lourd. Oui, effectivement, ils... Pourquoi qu'ils font des bébés, les poneys? Ah bah oui. Ah. Sinon, on prend un autre et on appelle Bis et on espère que c'est un mâle. Et si c'est pas un mâle, bah... Quoi que sinon, bah, on peut acheter un poney. Adulte, hein. Oui, ce que je veux dire, sinon, un grand et effectivement, grand, on saura. C'est smart. Et salut Kiki! Non, je vais te taper! Wow. Ouais, le triple galop dans le plus près, c'est compliqué. Là. Oh non! Oh non! C'est bon. Ouais, non, j'étais pas sûre de quelle allure j'étais. Parce que là, du coup, je suis au trot. Galop. Ah oui, d'accord. Oui, j'étais au vrai. J'étais au taquet du cul, quoi. J'étais au sprint, ouais. Ouais. C'est pas effectivement la meilleure stratégie. Ah, Kizuki. Top. Voilà. Quoi, il n'est même pas resté à côté de moi. Je nettoyais aussi. Non, il est un poney. Ah, faut nettoyer. Ah ouais, nettoyer poney. Nettoyer poney. Non mais... Ok. Ah, il coopère pas. Bon, tu sais s'il est sale, cela dit. Non, il est propre, en fait. 100% propreté, c'est écrit. Ok. C'est quand même rigolo de... Ah mais on a plus l'action, en fait, une fois qu'il est propre, ok. Très bien. Bon bah, amusez-vous bien, les poneys. Super Castor et merci Iniesta pour le leur merci beaucoup. Hop. Voilà, perfect. Bon, maintenant la ferme. Qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Parce que moi je sais pas du tout. Moi j'ai rien fait de particulier à la ferme. J'ai juste avancé le temps et fait des sous. Si, il faut quand même que je vous monte un autre truc. Je vous avoue que quand je me suis coach, je suis arrivée ici là, comme dame. J'avais nez à nez avec tous les chats et maintenant qu'ils sont grands, tu te rends compte quand même qu'on a beaucoup de chats. Une petite chier de matou. Ça fait rien, mais... Ça fait quand même... sacré... Oh, puis les petits lapins aussi. Mais attendez, même il y a pas un bébé, là. What? Mais on a des coups à quel mois, là, la dernière fois? Bah, c'était pas avril. Je sais plus. Avril ou mai? Ah, je sais plus. C'est juin. Ouais. Ouais, ça... On est à juin plus 1. Attends, juin plus 1. Un an. Ah, mais t'as joué pendant un an? Ouais. Ah! Ah oui, moi j'avais pas cette information là. Ça dit, j'avais même pas vu les sous qu'on avait. Hein. Elle a pas emprunté à la banque des kikis. Hein. Elle a vraiment travaillé. Ah ouais, non, j'avais pas compris moi ça. Ah oui, c'est... oui, bah du coup, ok. C'est... Effectivement. Un an plus tard, c'est cohérent que ce soit le bordel de l'animal. Oh, regardez les poules, ça doit être un enfer. Non, parce que les poules. Déjà les lapins. Ah, mais en plus, ça compte un par un. Il n'y avait pas... Ah oui, puisqu'il ne regroupe pas selon les années. Non. Ah oui, d'accord. Effectivement, on a une chier de pimpin. Les petits chats, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et... Ouais, on a effectivement quelques... quelques poules.
Quoi, les canards, ils sont bien montés dans la danse quand même. J'ai peut-être fait un frappe sur les poules, effectivement. Oui, t'en as tué. Non. Si. Ou t'en as vendu. Vendu ou tué, à vous. Je ne dirai rien. Je ne veux pas le savoir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de beau ce mois de juin, du coup? Bon, y a des récoltes à faire. Des récoltes à faire. Des munitions? Ouais. J'ai rien investi à part... j'ai pris... J'ai amélioré le tracteur au max. Ouais. J'ai pris une... machin avant, là. C'est oui. Tout. Machin avant, j'étais en train de me dire, elle a pris un truc qui tourne, genre un moulin. Pourquoi? Non. J'étais pas en mode avant, l'avant, quoi. Non, j'étais avant dans le sens avec du vent. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, purée, du coup, t'as fait les betteraves? Non. Oh. J'ai fait 2 champs sur 4. Le mois d'octobre m'a pris plus de 12 heures de gameplay. Ah ouais. D'accord. Ah, ça, c'est le machin avant. Stylé. De jaune vêtu. Et pas en jaune. Ok. Et ben... Bah allez, on va faire genre quand même qu'on sert à quelque chose. Parce qu'il faut lâcher la pression. Elle a fait un an, moi je pensais pas qu'elle avait fait tout ça. Elle m'a dit j'ai joué, mais je m'attendais pas à ça. M'attendais pas à ça. Bah on avait besoin de pognon. Il y a du pognon. Oui. Et avec ce pognon, du coup, on fait quoi? Il m'intimide en fait. Bah moi j'avais 2-3 idées, mais... Bah il y a la pêche. Mais la pêche, c'est pas cher. Moi, j'aurais bien acheté un champ qui est autour de chez nous. Passer en herbe. Ouais. Et acheter. Là, on est comment niveau stock de paille et de foin? On en a pas du coup? Bah, j'en ai acheté quoi. Ouais. Et les champs autour de chez nous, ils. Quand même, même le plus petit, hein, 82 000, quoi. En vrai, je sais pas lequel est mieux. Parce que, genre, le 6, c'est le plus proche et le plus petit. Mais j'aurais bien pris le 3. Le 3 qui est là, en bas. Enfin, qui est 4, en fait, quand t'es en achat. Ah d'accord, parce que c'est justement avec celui-là que j'hésitais. Je me disais, est-ce que le 4, il est pas mieux loti en termes d'espace et tout Vas-y, on va faire achat immobilier. Allons voir le 4. C'est une musique épique comme si j'étais une super héroïne. Comme n'est pas acceptée ici. Comment ça, je suis pas acceptée ici? C'est honteux. J'ai quand même un petit souci. Ouais, le 4, je l'aime bien. Il est bien. Et puis, il est pas planté. Donc, on peut mettre de l'herbe, si on veut. Ah oui. Ah ouais, le 4, c'est validé. Je l'aime bien. Alors là, un petit souci, la dame, par contre, elle est où? Vers les communes, bien sûr. Il y a un souci qui me... Comment dire? M'embête un peu. Je cours. Tu viens te sauver, on refait une musique. Tu vas pas pouvoir m'aider. Ah, bon bah... Ah, quoique. J'ai laissé mon vélo près des pommiers pour... Ah, t'es retourné. Ah, mais c'est... Mais d'où? Et puis quoi, on a une petite voiture comme ça? C'est les trucs des... Les trucs des. Ah, si, des avec villes. Le. Ah non, le tracteur, je peux pas passer si j'allais dire. Bah non, en fait.
Sinon, je vais. Attends. Je vais réinitialiser. Si tu vas à la ferme, j'ai réinitialisé un truc, un engin identique à celui-là. On pourra peut-être essayer de me pousser. Parce qu'il n'y a que ça qui rentre en fait. Sinon, c'est un peu trop. Non, c'était bien le cas, c'est ce que disait Tia en fait, c'est que Quand t'es il en phase d'achat, apparaît. c'est pas les mêmes chiffres, en C'est fait. ça. C'est bizarre, mais. Oh, mais j'aime trop cette voiture. Émule, elle s'appelle. Bonjour, Émule. Oui. Petit vieux. Wow, Ceux purée. qui ont la ref. J'ai un clavier souris, il faut que je m'adapte. Mais ça roule vachement vite, ce merde. Oui. Ah oui. Non, on va pas faire le remake de la voiture coincée dans un arbre et on coupe l'arbre. Ouais. Ah, bon. Ça paraît drôle, ça va être. L'une coincée dans un champ, dans un petit champ de pommiers, et puis l'autre coincée dans un arbre. Bah voilà, on est bien. Alors vas-y, tranquillou, parce que Ah c'est oui, mais vraiment... d'accord, c'est vraiment En fait, gentil. le genre l'arrière, ce que j'ai chargé sur la Non, mais remorque, laisse-moi j'ai passer. dit... il fallait que rien dépasse de la remorque, parce que la remorque, elle passe juste pile poil... Non, pas moi, la remorque. Il y a une petite douille. Hein. Ah, parce que là, il y a de la cam. Ah, ah, ah. Alors, moi, je me mets le bon, mais pas la remorque. Très bien. Allez, let's go. Bon, moi, toi, t'es debout. Mais attends. Alors, attends, je vais essayer de détacher, rattacher. Peut-être que ça va la remettre droit. Une technique. Parce que si on la pousse contre la barrière. Ah non. À côté, il fait combien de kilos ce truc? C'est pas? Bonjour. Coucou. Allez, relève-toi. Ouais, sinon, il faut mettre près de la barrière et venir avec le tracteur pour la mettre droit, quoi. Et il va nous faire tous les fruits possibles et imaginables qu'il y a sur la remorque, quoi. Il y a un monde où j'essaie de pousser en contresens et du coup par la pression elle se dit c'est bon j'en mets droit. Voilà, je vois pas comment je pourrais la pousser pour que... Pour la limite en fait qu'on soit deux je pense pour la pousser et la remettre droite mais... Non, il y a trop de poids en fait. Et le poids ouais, a l'air d'être assez compliqué. Ah, j'arrive même pas à avancer là. Tu m'aides à pousser? J'aime trop cette mini-voiture. Je me croirais presque dans Jurassic Park. C'était pas un aussi beau balai que d'habitude, ça. J'avoue, il était un peu... Royang avec le tracteur. Ah, j'ai voulu gagner du temps en chargeant directement dans le truc, mais... Qu'est-ce qu'il a fait en fait que tu t'es retourné? Mais j'ai fait demi-tour. Ouais, donc si on charge, en fait, faut déjà être dans l'axe, prêt à partir, quoi. Oui, c'est ça.
Si ce sera assez proche. Bon. D'un côté, il faut pas coller, je pense. Ah, ou alors, faut faire passer tes petites papates dans le trou. Mais c'est ce que j'allais faire. Ah, parce que si t'avais passé par-dessus. Me vois pas. Ah. Je vais leur attendre. Vas-y, avance encore un petit peu. Ah, ah mais il y a la porte. Attends, faut que je la pousse dans l'autre sens. Là. Si je peux. Hé. La voiture rouge là, tu veux pas casse-toi. Ah ça y est, je vais pouvoir te la remettre. Il y a plus la porte. Alors attends. Barrez-vous. Comment la circulation n'est pas. Bah non. Voilà. Là je pense que tu vas y arriver. Les légumes ont un goût incomparable. Ouais, c'est du fait maison, t'as vu. Ouais, c'est prémixé avant d'aller chez le marchand. Il y a un peu de terre, je suis désolée, hein. Qu'est-ce qu'on peut. Problème. Voilà. Ah, par contre, mais vous êtes sérieux les gars? Alors va falloir faire tout doucement. On va faire un petit train de. Ah, ça va y aller tout doucement. Il y a un buisson, mais c'est pas grave. Voyez le buisson, il faut. Ah j'écris un buisson. On n'est pas accepté ici. On sait qu'il y a des concombres, des fraises, des pommes, des. J'avoue. Alors, pour information, j'ai arrêté les choux-fleurs parce que bon, 15 cajots par jour, c'était un peu relou. Et les oignons parce que c'était chiant à charger. Voilà. D'accord. Merci pour les GG. Fait une ratatouille en 15 jours en fait, c'est vrai. C'est prêt. Voilà, il est pas beau mon chargement. En vrai si. Par contre t'as pris la voiture qui avait pas les pommes. Je vais te suivre avec les pommes. Ça y est, pas les pommes. Bah j'avais chargé des pommes dans ma voiture. Ah oui. Mais attends, je peux te le rendre si tu veux. Ah, t'inquiète. Mmh. Salut. Salut. C'est parti. Donc à mon avis, même sur la route, faut pas rouler trop vite. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a 4000 kilos de concombres, quoi. Ah mais je me fais un bon 5000 par plateau à chaque fois. Hein. Je savais pas qu'il y avait ces mini-voitures qui rentreraient. Bah moi non plus, j'ai testé, je me suis dit vas-y on teste, c'est passé, je fais bon, bah let's go. J'ai essayé d'optimiser... Faut aller vendre où à la petite supérette là. Ouais, on va pas passer par les chemins terreux, hein. Parce que... C'est pour ça que je te demandais de savoir si j'allais réduire ma vélocité et tout ça d'un coup, parce que bon, ça pourrait mal finir. Tout à fait. On fait une tutu pour pas d'ailleurs klaxonner. Oui. On fait du tutu, c'est important, c'est comme le ring ring du vélo. Coucou Mister Black Shooter, pourquoi toi bienvenue. Mais écoute, ça va et toi comment vas-tu? J'aime le combien, le concombre, je peux en avoir. Oui, si tu veux, t'en veux combien? On en a 4000 kilos. On a 4 tonnes. C'est ce que tu veux, ouais, une petite tonne. Ah, il va falloir que j'avance le temps par contre. Ça va. Moi je propose. Il est généreux.
suspicion parce que par contre, on va vendre là. Si vous voulez une petite tonne de côté, voilà. C'est dit. Voilà. Et merci Mister Black Future pour le follow. Bien fait. Je t'avais laissé la place à côté exprès. Ouais, j'ai tourné un peu. J'ai un peu de mal, j'avoue, sec. Avec la sensible, mais je sais pas si c'est le véhicule qui est hyper sensible ou si c'est vraiment. Ah, il est assez sensible. Il faut que je m'adapte. Ah, il reste juste. À chaque fois, il reste un truc de fraise, puisqu'il est à l'envers en fait. Alors attends. Eh, 6800. Ouais, parce que c'est des fraises. Attends, je peux manger les fraises. C'est à vous. Les pommes. Ah, les pommes, pardon. Quand même. Sorry. Et shoot. Oh, le peloton. Moi, je sais même pas ce que c'est. Bois de la bière. Ben, ah, ouais. Je sais pas si c'est pas de la bière, ouais. Il y a un logo de bière dessus, en tout cas. Non, on va les piquer, on va les vendre. Bah, j'ai été tentée, effectivement, de faire des tests, 2-3 tests. Et dis donc, c'est gentil. Une tonne, c'est énorme. Bah, au moins, t'auras du stock pour longtemps. Bon, je suis pas sûre que ça conserve aussi longtemps. Mais... on partage notre butin, nous. On est généreuse. Bah oui. On est les maraîchères du coin. C'est ça. Bah, quand tu vois de toute façon l'autre ferme à côté, elle est sanglante et tout, moi je peux me faire confiance qu'à nous aussi, j'ai été les autres clients. Je vous rappelle que de l'autre côté, les chiens ils mangent des humains. Penser d'ailleurs que j'ai pas regardé si on pouvait acheter une biche. On peut acheter une biche. Bon, on achète une biche. On est cher. Non, on n'est pas cher. On est généreuse, on a dit. C'est pas cher. On allait vous offrir une tonne de concombres, ça va? Bah ouais. Pas si cher. Ok, après on le fait payer 25 euros le concombre, mais bon, ça c'est un autre délire, tu vois. C'est pas... On est généreuse, on a dit. Mais c'est vraiment au centimètre près. Ah, est-ce que je peux faire ça? Alors là, ce serait optimisé, mais... Genre, est-ce que je peux commencer le remplissage des cajots qui sont dans la bagnole? Oui! Oh, c'est bon, ça! Oh là 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 là. J'optimise à chaque jour, j'optimise des trucs. Ça ne passera pas. Il faut que tu passes par le champ. Tu veux vraiment que tu sois droit, droit, droit. Parce que... Si, c'est bon, ça passe. Bah. Parce que la truc derrière, elle fait un peu ce qu'elle veut. Hein. Oui, mais je vois pas ce qui touche là par contre. Je sais pas. Ok. C'est pas grave. J'en ai mis en bout de droite. À peu près. Voilà. Ouais! J'ai le talent. On se met en marche. Voilà, tac, par ici, voilà. Merci, ému. Bah, c'est ici, c'est... Pas où ils ont cherché ce truc, mais... Je connais pas, j'avoue, j'ai jamais vu, jamais entendu parler. Mais même le... Enfin, le... Ah Emule, si, Emule, je connais ah, le oui. Trop-trop, là. Oui, d'accord. Le trop-trop. Désolée pour ceux qui n'ont pas compris, mais le trop-trop, quoi. Pardon, c'est mal positionné, mes excuses. Ben non, mais il faut que ce soit positionné correctement, sinon on passe par la porte. Dame. Ah, faut pas que ça dépasse du tout. Ça. Vas-y, pause. Et
beaucoup d'analyse. Moi, je peux aider à la ferme, contre un peu de légumes et de fruits. Moi, je t'offre une main-d'œuvre en plus. Bah, écoute. Pose-nous ton CV. CV, lettre de motivation, et puis on va étudier tout ça, hein. Non, alors attends, parce que j'avais fait un truc pour pouvoir mettre aussi le raisin. Enfin, c'était tout un. Pardon. J'ai pas C'était le tout. Tetris de la remorque. Attends, je vais positionner. Vas-y, position. Là, les fraises à l'arrière. On peut mettre 4. 3, côte à côte. Non, il n'y a qu'un cajou, mais dans l'idée. Connais pas encore son CV? Non. Non, j'ai fait des CV chez les Kiki, mais pas celui de Philae encore. Le raisin, tu pourras. Attends. Attendez. Allez trop Oui, vite, mais. madame. J'ai pas le temps. Pour le mettre dans le petit trou, l'eau. Là. Posé. J'enlève l'oignon, on va le mettre dans le coffre. Hein. Voilà, on peut Avec attendre largement que ça pop. J'ai mis des trucs qui mettent longtemps à grandir, donc. oui, ça va, et t'es de m'engueuler. En vrac, ça tombe. Oui, pour ça que j'ai arrêté. Mince. Vous sécurisez, on met la ceinture aux petits oignons. Hein. Voilà, tout était ramassé. Faut mettre de l'eau et tout, ou pas? Ouais, j'ai fait. On peut aller faire la moisson. Faire les moissons. Ratouille. Qu'est-ce qu'on fait? On achète le champ du coup? Ouais, bah ouais. Écoute, pas trop par où on passe. Où tu es? Il y a un caillou! Waouh! Va Je fais de se l'artistique. casser. Oui. Ah, le caillou, je l'avais, mais alors totalement oublié. Et la voiture, je l'avais vue, mais si du coup j'avais pas eu le caillou, il y a moyen que je serais passé juste, mais je serais passé. Il fallait pas que je tourne en fait. Tourner, si tu veux. Je vais tourner juste ici, au petit chemin de terre. Je crois que c'est ça le vrai chemin. Ah, j'ai pas Qu'est-ce que pensé à tu aller dis? faire le plein. Que tu n'en auras pas assez. Tu Oh, c'est quoi reste là? Salut! Raison de remords faite. Si. De rien! Klaxon. Alors, direction maintenant Tu m'as la foutu la remorque fontaine. entre un arbre et un poteau, c'est ça? C'est vrai que j'ai pas pensé à ce point de vue-là. Je me suis dit, c'est libre. Ouais, c'est peut-être pas libre des goûts. Ouais, ça va être sympa, je vais être obligée de faire le tour. Je la changerai de place quand je la viderai. Ah, faut que je réussisse à la remplir.
Aïe. Ah non, c'est pour ça que je suis pas de là-bas. C'est-à-dire ce jour où je fais un petit arrêt, un petit détour. Oui, j'ai bien compris, t'es au taquet sur ton épandage, tranquille. Et c'est mon péché mignon. Je sais. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça et... Et tu sais quoi? Le 23. Tu te souviens du 23? Oui, le 23, le fameux, ouais. L'unique. Il est en patate. Oh là là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire? Il est en betterave ou un autre truc horrible? Et c'est pire. Les patates. Mais en patate. Mais pourquoi s'arrêter? Y a pas d'autres personnes qui veulent poser leur CV là? CV là de motivation, hein? Je me dis, même si tu prends le meilleur matos, même à deux, on va le sentir passer. Ils font des trucs, des fois ça arrête au mieux de tout là. Si je passe par là, il se passe quoi? Ils ont pas l'aventure. Ça mène directement au chemin. Parfait. Des petits chemins de traverse. Ah oui. On voit où c'est de là, c'est parfait. Ah, il y a une structure avant. Ah mais c'est pas le 7 qu'on veut, nous c'est le 3, je suis nul. Mais je peux même pas au 3. Oh, je suis bourré. Là le champ nous appartient, donc on peut pas de paf. Pas de changer. Oui, ce que tu veux. Bon, on plante pas du blé? Ouais. Hein. Ça nous ferait du... la paille. Alors, faut que je me mette. Oui, là, faut que je fasse ça bien en plus. Hein. J'ai trop de pression. Parce que 3 mètres, c'est vrai qu'en fait, c'est facile. C'est la taille du tracteur. Donc, changer. On veut que... Et... Si je te dis... que... Ma remorque est quasi full. J'arrive ? Non, mais non, t'inquiète, je mettrai en pause. Là. Fais ton. Fais ton tâche. Non, mais je peux faire une lignée, revenir, décharger, il est ok. C'est possible. Je vais aller faire le plein de toute façon. Je sens bien. Je sais même pas où est-ce qu'on fait le plein ici. À la station de service. Certes, mais il... Elle est près de là où on met les patates et les betteraves. D'accord. Chargé. Hop, je reviens. La malterie, c'est ça? Mais non. Suis la route du 20... Non, non, là, t'es parti chez le marchand de... recule. Suis le champ 24 et c'est au... Il y a un point d'exclamation dessus. Ah oui. Effectivement. Oh non mais. Vous allez vraiment me prendre en sandwich, vous êtes vraiment des gens comme ça. C'est pas grave, moi aussi je me casse. J'ouvrais ma propre voie. Ah pardon. Et oui, je suis retournée au Saint-Panneau. Moi j'ai vu une binouze, je me suis dit c'est par là. Hein.
Mais pas du tout. Voilà, tenez de l'or, je suis désolée pour le retard. C'est un petit détour. C'est pour aérer le grain. Ouais. Ne remerciez pas ces cadeaux. On passe jamais par le même chemin, c'est un cadeau. Je joue RP. Oh, semi. Ouais. Ça se voit, ouais. Je vais pas jouer RP. Tu vois, des fois, je vais suivre le chemin. Et puis, il y a d'autres fois, je vais faire une petite diagonale. Voilà. Mais là, c'est parce que j'arrête pas de faire la map. En fait, vous voyez, Tia, elle est là-bas. Donc, en fait, je vais de ici. Je fais carrément la diagonale de la map, quoi. Donc, j'avoue que, voilà. Parce que Tia a la bonne idée de commencer par le champ qui est le plus loin. Mais j'ai quasi fini, donc ça devient bon. Ce sera ton dernier aller-retour. Mais après, ce qui est bien, c'est que le champ sera plus près. Mais il faudra quand même livrer au même endroit. Oui, donc ça rend rien à la maison. À peu près. L'avantage, c'est qu'il est plus petit, je crois, par contre, le second que t'as à faire. Oui, il est clairement plus petit. Voilà, donc c'est semi-RP. Mais sinon, non, en vrai, on fait ça RP. Là, vous voyez la pas. La brouette. Qu'est-ce que j'allais dire avec la brouette Quand on joue avec la brouette, on porte pas la brouette. On pourrait la porter à bout de bras certaines fois. On le fait pas, on joue RP. Je crois plus de ses armes. Mais alors. Va falloir qu'on cause. Parce que là, je fais comment? Déjà, tu m'as éclaté la roue. Hein, ma roue droite, là, on n'en parle plus. Comment je fais? Mais non, c'est pas RP. Il me fonce dedans comme si c'était un tank, le machin. Sors ta voiture. Sors ta voiture, je vais me fâcher. Vas-y, on va se battre, là. Allez, vas-y. J'ai soit un pistolet, soit une tronçonneuse. Tu préfères quoi? Non mais sérieusement quoi. Pourquoi tu m'as foncé dessus? Oui, le tracteur il vit, j'ai vu, il... Oui. Moi j'ai l'impression d'être, vous savez, en ville là, quand des fois on propose de laver votre pare-brise. Vous voulez te laver? Je peux le faire. Vous avez un petit pénis. C'est une petite pièce, un papou, ça. Pas bien. T'as fait efficace. Et j'ai réussi. C'est beau. Pour le dernier trajet, c'est bien. J'avoue. Il en aura fallu deux. Un très chaotique, un plus ok, mais l'autre a été... voilà, le dernier est parfait. Bon, là, je me suis pris de photo, mais ça, c'est le sujet. C'est parce que j'ai pas freiné. À un moment donné, le frein, c'est pas trop dans ma nature de vie. Bah, j'ai pas freiné, j'ai pris de photo, ça a fait office de frein, voilà, on en parle plus. Je sais pas s'il faut que je livre tout. Si. Si. Là. Ouais, je sais si on a bien. Ça se fait qu'on est qu'à 80%. T'as vendu bien à l'arrière du bâtiment, on est d'accord. À l'arrière. Bah, l'arrière du devant, quoi. Non, c'était à l'arrière qu'il fallait vendre. Voilà. Je l'ai dit, hein. Faut vendre à l'arrière. Bon, bah, du coup, mais ça n'a pas comptabilisé. Mais pourquoi il a accepté, Pedro? Ça n'a pas comptabilisé. Ça sent le fail. Mais pourquoi il me l'a accepté? Mais du coup, c'est devenu quoi, ce que j'ai livré? Je sais pas. C'est à vous aussi. Tu m'as volé. Ah bah, on peut faire du malt, du coup. Ah mais ouais. 67 000! Oh merde! Gérer le point de production! Est-ce que tu peux récupérer ce que t'as livré? Je vais regarder. Parce que là, y a un trou. Peut-être que tout moment, je peux récupérer. Et là, le mec de la mission, il va pas être content. Je vais récupérer tout pour nous! Ouais, mais Pedro, il aurait pu dire. Tu
Bah non, Pedro, il dit toujours le même mot. Ah oui, c'est peut-être là, ouais. Je sais pas, là, je me dis, il y a peut-être un moyen de moyenner un truc. Hop. Quand elle a... Quelle avant qui est sale. Merci de me laver. Non, je peux pas, je crois. Attends, côté déchargement... Non, je peux pas. Ah, peut-être. Parce que là-bas, c'est écrit sortie en vrac. Au niveau du monsieur, là-bas. Il y a effectivement un tube. À vous. Qui descend. Mais je sais pas ce que tu peux récupérer, là. Rien. Très bien. Voilà, 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 voilà. Ah, on l'a volé. Et on a peut-être con, en vendant ce qui te reste, faut qu'on y arrive. Oui. Il y a combien chez dans le stockage du coup? 67 473. De l'orge. De l'orge. On a que 29 000 à la maison, c'est ballot. Bah écoute. Non, ouais, c'est pas la dino, ce qui sort, c'est le malt. Tu... Oui. Bah écoute, là, j'ai mon véhicule qui est full. Pipi, bah tu vas livrer à l'arrière. Mais je pense qu'il va falloir piocher dans notre propre. Réserve. Mais on n'aura pas assez. Là, les erreurs CRP, j'avoue.